Ah, voilà, il fallait que je vous montre ça. Alors oui, il y a un 2048. Je suis le boss. Donc attendez, je vais vous le faire parce que vous l'avez peut-être pas fait. Écoutez, moi, j'ai fait ça pendant très longtemps. Alors, truc très rigolo, il faut savoir que... quand je bossais pour Gamers, ça a été la dernière critique de jeu que j'ai faite. Voilà. Donc, je maîtrise parfaitement le 2048, dit-il, alors qu'il se trompe comme une merde. Et donc, sous vos yeux ébahis, eh bien, je vais faire en sorte de le réussir aujourd'hui. Parce que je dois vous prouver que je suis le boss dessus. Évidemment. Je savais même pas. Ça a été la dernière critique que j'ai écrite d'ailleurs pour le site Gamers, voilà. Et c'est une critique vidéo et vu que le site existe toujours, je pourrais vous la montrer. Parce que c'était rigolo en fait. Les deux dernières critiques que j'ai fait pour ce site, ça a été Cookie Clicker et 2048, voilà. C'était la période évidemment. Et donc bah, il fallait, comme j'arrêtais pas de dire que j'étais le boss hein, sur ce jeu, eh bien je vais le prouver. Tout simplement. Alors je l'ai peut-être fait un petit peu parce qu'il fallait que je retrouve la technique, mais normalement c'est 100% win. On a frappé juste alors. Mais c'est pour ça que ça m'a beaucoup fait rire, c'est que il y a, en fait, sans le savoir, il y a une histoire derrière le 2048. Ça a été ma dernière participation sur le site Gamers parce qu'il y avait plus grand monde qui... comment dire ? Il y avait plus grand monde qui écrivait dessus à ce moment-là. On était tous en train de changer un petit peu nos perspectives d'avenir et tout. Donc c'était un moment un peu triste, pas du tout. Mais truc très drôle, du coup, il y a une belle histoire en fait derrière tout ça. Et surtout, bah, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Gamers, c'est quand même ma bande de meilleurs potes avec qui on a monté un site il y a quelques années. Alors au départ c'était un blog sur Gameblog, puis c'est devenu une association, et puis l'association est devenue quelque chose d'un petit peu sérieux, mais c'était en même temps fait pour passer le temps pendant qu'on était en train de faire nos études de cinéma, voilà. Parce que oui, hein, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait des études de cinéma, voilà, hop là, nous sommes déjà à 500, c'est très bien. C'est bon, c'est de la chance. Ok, tout est de la chance hein, dans ce jeu. Il y a pas de secret. Et merde. Et voilà ce que je voulais pas qu'il arrive. Voilà, bon là c'est mort. Le speedrun. Non, pas du tout. Mais là, je vous avoue que ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que il va falloir que j'arrive à sauver cette merde que j'ai faite. Parce que pour réussir un 2048, il y a évidemment une technique. Hein. Comme vous pouvez le voir, j'ai tout regroupé dans un coin. Mais je me suis foutu tout seul dans la merde. Bien joué à moi. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, mais vas-y, bloque tout. Non mais ça c'est parce que je suis en live hein. Je vois pas d'autres raisons en fait. Y a aucune autre raison qui fait que bon. Là ça va être compliqué hein. Je me suis sorti de situation bien pire que ça hein. Non c'est faux, là c'est la merde ultime. Pourquoi ? Eh, je l'ai fait plusieurs fois. Montrez, je vais y remonter. Non mais ça c'est l'aspect. Je sais pas pourquoi ça me veut pas. Hein. Même en connaissant la technique, j'ai mis une semaine à le choper. Ah ouais ? Alors bah les dernières parties que j'ai faites. Putain, toujours de pire en pire. Hein. Bon bah là c'est mort. Là c'est clairement mort. J'ai pas eu de chance sur les placements des... Mais je vais quand même remonter parce que je suis le boss. C'est bon, je vais réussir. Je vais réussir. L'histoire n'en sera que plus belle. Sauf si évidemment il me fait ça. Là, ça risque d'être compliqué. Ça va être très, très dur là, bordel! C'est impossible, c'est perdu! Et moi je vous dis que je vais le faire! Allez, je m'en fous, je quitte pas tant que j'ai pas fait.
Mais casse-toi. Je l'ai réussi sur téléphone, je vais réussir. En vrai, j'ai peu de chance sur les placements. Il faut, en fait, il faut faire super gaffe à. Il faut faire super gaffe à où se place l'œuf. Et bah, en fait, là où il s'est placé, c'était le pire endroit. Voilà. Parce qu'après, le but du jeu, c'est juste de réussir à placer bah, les petits œufs là que vous avez. Et d'avoir une sorte de suite un petit peu logique. Et là, par exemple, bah là, c'est con. Voilà, là j'ai de la chance, mais. Et on va faire attention parce que sinon ça va pas le faire. Hein. Ok. Et coucou Ariane, comment vas-tu? On est sur un 2048, hein, c'était pas du tout prévu. Non, si c'était prévu. C'était prévu que je le fasse. Effectivement, par contre, jouer au jeu tout en parlant, c'est quand même autre chose. Parce que bordel. Je l'ai fait. Bah, je crois que la dernière fois que je l'ai fait, c'était il y a quelques jours et je l'ai reçu en un temps record. Donc là, je pense qu'on va, on va pas faire de technique de fou furieux. Je me demande s'il y a une catégorie 2048 sur Twitch. Bah écoutez, si jamais, rentrez là, hein, si jamais elle existe, je prends. Hein. Je prends la. Mais regardez, c'est le jour incroyable! Il n'avait pas joué à 2048 depuis 2013, il est revenu sur le devant de la scène! Oh, ça existe! Ça existe! Oui! Bonjour! Alors, on est sur un 2048 un peu particulier, parce que comme vous pouvez le voir, on reprend les badges d'abonnement de la chaîne Twitch, et ça, je trouve ça incroyable. Franchement, GG, parce que c'est trop stylé! Quand j'ai vu ça, j'ai beaucoup ri. Mais j'ai passé toute ma soirée après à y jouer. Yuki, s'il est encore dans le chat, il pourra confirmer qu'au lieu de participer au repas familial, j'ai préféré jouer comme un sagouin à votre version de 2048. Voilà. Merde! Ça va pas recommencer. Bordel, je me concentre pas. Bon. J'ai déjà rattrapé des trucs pires que ça, faut juste se concentrer un minimum. Je me concentre. Je suis concentré. Déjà vu. Déjà vu? Absolument pas, regarde. Déjà, ça se passe mieux. J'ai eu un petit peu plus de chance sur les. Sur les. Sur les. Sur les. Sur les. Sur les œufs! Sauf là. Hop! Ah, le 2 qui se place très très mal. Je suis concentré. J'ai jamais été aussi concentré de ma vie là. Ok. Ok. Merde. Merde, il m'a volé mon 8. Ça dégoûte, il m'a volé mon 8. Oh, le méchant. Hop. Je veux. Hop. Là, mon but, c'est juste de rattraper mon erreur de tout à l'heure. Le reste, je m'en fous. Parce que si là je perds l'espace que j'ai, ça va être chaud patate après de remonter. Donc là il faudrait que j'arrive à avoir un 512 et après enfin là il faudrait un 256 pardon. Et une fois qu'on aura le 256, on sera un petit peu plus tranquille parce qu'on aura repris l'avantage. Sauf si je fais des grosses conneries comme ça,
Là, c'est une énorme connerie. Sauf si, hop là. C'est épique avec la musique. Écoutez, on a fait du Picross, on peut faire quand même du 2048. Une fois de plus, hein, y a que sur cette chaîne que vous en verrez. Hein. Déjà, c'est étonnant qu'il y ait la catégorie. Je me demande s'il y a vraiment une période où, genre, les plus gros streamers, ils se sont mis à faire du 2048. Parce que si c'est le cas, et bah, franchement, trop stylé. Merde! Ça va. Oh, ça aurait pu être tellement pire. Limite, ça va. Ça m'a tellement sauvé. Hop là, 1024. Oh, j'ai eu si peur. Et j'ai eu un petit peu peur. Ok. Ah. Bon là, du coup, il nous reste plus qu'à faire 1024. Et c'est gagné. Et on va le faire. On va le faire, hein, sous vos yeux ébahis. Ça sera plus rapide que le Picross. Ça c'est bon. Non, ça c'est pas bon. Ça c'est bon. Ok. 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 J'ai jamais dépassé 1024. Eh ben écoute, moi je vais vous montrer. Ça, le mec se sent plus. Il a réussi un 2048 dans sa vie. J'ai commencé à faire de la merde. Mets des deux là où je veux pas de deux. Mais bordel de merde, casse-toi avec tes deux. Ok, 256. On y est proche. On y est presque. Pas faire de conneries. Je suis bien contente de m'être rappelé l'existence de ce truc du coup. Tu as frappé fort, moi. Comme je disais dans mon annonce, personne n'était prêt et Moraine a cassé le game. Ah non, mais tout à fait. Franchement, ça m'a fait trop plaisir de retrouver ce jeu. Parce que si vous l'avez pas connu, hein, c'était l'hype en 2013. Hein. Je me rappelle parce que c'est l'année où j'ai échoué mon BTS, voilà. Et pas à cause de ça, hein, c'est juste qu'on nous avait mal préparé, voilà. Rien à voir avec le jeu en soi. Je pense, hein, y a eu une grosse hype. Je me rappelle, c'était un Italien qui d'un coup avait fait ressusciter ce truc. Et tout le monde y jouait. Et c'était abusé. Et après, il y avait des 2048 de tout et n'importe quoi. C'était trop drôle. Putain, mais pourquoi le 16, il est là? Je me suis rappelé qu'on voyait plein de versions différentes. Du coup, je me suis dit qu'il devait y avoir du mou... y a moyen de... Mais je l'avais fait à l'époque. À l'époque, je l'avais fait avec des dessins à moi. C'était que des photos de profil. Et du coup, j'avais mis les plus anciennes aux plus récentes pour montrer l'évolution des dessins. Je sais même pas... Et je crois qu'il était sur le blog de Gamers à l'époque. Donc oui, il y avait déjà, à l'époque, moyen de faire des trucs comme ça. Par contre, je déconne un petit peu, là. Le 64, il est censé être là-haut. Oh, putain. C'est rigolo, ça ne se passe pas comme prévu. C'est ça va ? Moi ça va là ? Là je suis en petite difficulté. C'est faux, regardez, boum, boum, 512, c'est bon. Le 512 il est là. Hop, bon, faut pas faire de conneries. Ce serait pas mal de pas faire de conneries. Mais putain, cri. Putain, mort! Trop marrant comme idée. Bah ouais, c'était rigolo. Bon, après, je dessinais pas de ouf. Hein. J'avais quelques photos de profil et tout. Je crois que je changeais toutes les deux semaines à l'époque parce que j'avais vraiment rien à faire de ma vie.
la vieille époque hein, de Facebook. Et du coup, j'en avais fait un. Et c'était trop drôle. Et ouais, je voulais pas faire ça. Tant pis, tant pis. En vrai, j'essaie de me concentrer un petit peu parce que là, la moindre erreur, elle peut m'être fatale. Ce serait dommage. Ce serait vraiment dommage. Voilà, par exemple, ça, c'était une énorme connerie. Je le savais, je le savais. Bon, je pense que c'est mort. Je ne veux pas être pessimiste. Mais je pense que c'est mort. Il y a un 1024 qui se promène comme ça dans la nature. Yes. Si je réussis, je suis trop le boss. Putain, mais le 1024, il arrête pas de bouger. Arrête de bouger, bordel. Horrible, horrible. Je le déteste. La malédiction du live. Non, mais il n'y a pas de malédiction. Il n'y a aucune malédiction. Malédiction, c'est dans vos têtes. Non, mais en plus, je fais de la merde, je fais de la merde. Je les ai pas là où je veux et ça me saoule. Ils veulent pas apparaître là où je veux, ça dégoûte. C'est terrible. Alors, comment je peux sauver le truc? Hop, hop, hop. Ah, je suis tellement obligé de faire des trucs comme ça, là, ça dégoûte. Allô? Je comprends pas ce qui se passe. Waouh. Oh, il s'est passé des trucs. Attendez, je crois que ça a bugué. Ah merde, le site s'est fermé. Attendez. Ah merde, attendez, le site il s'est fermé. Ah, je suis obligé de le réouvrir. Attendez. Ce live est sponsorisé par le Chaos. Le Chaos, une filiale de la Cricket Corporation. Bonjour. Ça m'avait manqué ça aussi. M'en fous, tant que j'ai pas réussi, je continue. Bon, ça saoule, on était si proches, tout ça, parce qu'il y a un œuf là qui s'est mal placé. Il s'est mal placé. Le sel de Grégoire. J'en ai marre de recommencer. Je vous jure, hein, toutes les dernières parties, je les ai réussies. Mais on a un temps record. Et là c'est le live, hein. C'est le live. C'est parce que c'est le live. Le sel de Cricri saura relever tous vos plats et vos soirées entre amis, sur des jeux, en cuisine ou sur vos fraises. Le sel de Cricri sera l'assaisonnement idéal. Le sel de Cricri. C'est faux. C'est faux. Non, ça n'existe pas. C'est impossible. Mais file-moi un putain de deux là. Merci. Bon, oui, j'essaie de pas me bloquer cette fois, tac, 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 merci. Ah, et quel enfer, l'enfer, ça m'a pas manqué l'enfer, étrangement. S'il y a bien un truc qui m'a pas manqué, c'était ça. Merde, j'ai de la chance, ça sera la seule fois où j'aurai de la chance sur ce live. Merci à tous. Us. Une semaine. Non mais arrête. En une journée, je te le réussis plusieurs fois. Il y a pas de souci. C'est juste que là, il y a eu deux trucs de malchance. Ça arrive. C'est comme ça. Il faut remettre dans le contexte. C'est le live. Je suis pas concentré. Je sais pas jouer. Voilà, et puis y a aussi le fait que bah, quand tu dis un truc, il y a forcément le karma qui s'invite, tu vois. Et comme le karma s'invite, bah tu fais de la merde. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça va, c'est le 64. J'ai un dilemme, je reste avec vous ou je vais aider monsieur à l'épluchage de des patates. Et pourquoi choisir?
quand tu peux éplucher des patates en regardant le live. Et ouais! Ouais, voilà, merci. Il va falloir que je rattrape. On est à 512, hein, on est remonté à 512 hein, parce que je sais jouer. Je vais dire ça et je vais me prendre un karma, un instant de karma. Ça va être drôle. Ça va être drôle. Et ça va être très rigolo. J'adore l'humour. Non! Ne fais pas ça! Inconscient! Non, c'est bon. C'est bon. J'ai rattrapé les erreurs, je crois. Je crois. Par contre, le 2 là, s'il te plaît. Voilà, casse-toi. Voilà, casse tes morts. Voilà. Faut dire qu'on a impérativement besoin de toi ici. Bah oui, moi ça me fait plaisir d'avoir Yann ici. Elle est indispensable au live. Comme vous tous. D'ailleurs, ça me fait trop plaisir de vous avoir hein, tous sur le live. Ça me fait trop plaisir de reprendre les lives. Ça m'avait beaucoup trop manqué. Voilà. J'ai failli faire une connerie. J'ai failli faire une connerie. Faut arrêter avec les conneries. Hop, hop, 256, très bien. Allez, on repart pour un 128. Et merde. Non, ça va. Ah, j'ai de la chance, hein. Ça fait deux fois double chance. En vrai, j'ai aucune envie d'éplucher, je préfère largement le live. Et bah, reste ici alors. Et tu lui dis, bah non, c'est ton tour d'éplucher les patates. Voilà. Et tu lui dis que t'as une dérogation de la part de Cricri. Elle est reconnue dans le monde du travail, donc il n'y a aucun souci. Non! J'en ai marre, j'en ai marre. Vous savez que ça m'arrive jamais. Ça m'arrive jamais. Je suis abattu, je suis dégoûté, je vais tout casser. Je vais tout casser, j'ai un 256 qui se balade dans la nature. Je peux plus rien faire. C'est sûr, je vais remonter. J'en ai rien à fiche. Rien à fiche. Putain, mais par contre, si tu me bloques comme ça... Mais putain, vous avez rien vu. Non, mais ça, c'est... Qui a dit que j'allais mettre une semaine? Ouais, rien à foutre. Je mettrai pas une semaine. Non, mais c'est dingue. C'est dingue. Les deux dernières fois, pour être sûr, en me disant, oui, en live, ça devrait le faire. Je l'ai fait. Et puis, 20 minutes. Et puis, j'étais là. J'ai fait, bon, ok. Bah, easy peasy. Je file l'hôtel. Bah c'est ça, cassez-vous en plus. Le mec il commence à repéter un câble. Ah ça vous a pas manqué ça hein. Oh putain, ça commence. Ça y est, les emmerdes commencent. Après ça va, on est au début. On est au début, on est au début. On est au début, on est au début. Allez, file-moi un... Voilà. Chance. Non, arrête. Eh, je vous rappelle qu'il y a d'autres cadeaux. On n'a toujours pas vu celui du jour. Ça va arriver, hein. Je vous assure. Ça va arriver. C'est pour ça que je vous ai dit, je sais pas combien de temps va durer le live. En fait, c'était pas une question de... Non, c'est... Ouais. Ça vous a manqué les lives? Vous êtes content? Sachez que... sur le planning qui est pas à jour et que j'ai même pas mis, je crois, sur Twitter. Enfin, je sais même plus si je l'ai mis sur Twitter, j'en sais rien parce que je ne sais plus streamer. Je ne sais plus communiquer autour de mon travail. Sachez que on recommencera les jeux vidéo avec Ori and the Will of Wisp parce que je l'ai depuis un bail. Mais
Il y a d'autres jeux qui vont arriver. Il y a des jeux d'ailleurs qui m'ont été offerts par des viewers. Donc merci à ceux qui m'ont offert des jeux. Vous êtes beaucoup trop choupis. Fallait vraiment pas. Hein, parce qu'après, du coup, vous savez, le lobbying, tout ça. Bah, le lobbying pour 2022 a déjà commencé. Hein, voilà, si vous demandez. Ils ont pas attendu. Là, le lobbying a été très présent sur, sur justement cette, cette fin d'année. Ah, ça fait plaisir. Mais faut arrêter. Us. Putain, je suis con. Je l'ai monté une fois de trop. Alors, bon, rattraper une erreur. On est à quoi, 256? Eh, en vrai, 256, ça va, c'est easy. C'est easy. Faut juste pas faire de conneries. Hop, hop, 32. Oh putain, le 64, j'aurais pu le placer. Ah, oula. Alors, pas faire de conneries. Est-ce que je suis déjà désespéré? Ouais, je vais peut-être repartir en vacances. Peut-être repartir, moi, finalement. Et merde, je vais pas pouvoir aller le choper. Donc. Mais. Merci. Non mais oh. Reste avec nous. Ah. Oula la connerie. Oula la connerie, vous la sentez arriver? Oui. Ça va devenir compliqué cette histoire. Hop. Ok. Ça va être encore plus dur de monter à 512 ici. Allez. On va le faire. Changement de technique. J'attaque par le bas désormais. Non! Oh, le petit 2 de merde! Petit 2 de merde! À chaque fois, il y en a qui vient se placer là alors que j'en veux pas! Je vais tout casser! Ok. Bon fou. Vous savez, j'ai fait 9 heures hein, sur le Picross. Hein. C'est pas quelques minutes hein, sur ce jeu hein, qui nous a pété un câble. D'ailleurs, le live Picross arrive. Le live Picross arrive, ça va être incroyable. Oui. Pour ceux qui l'ont raté. J'ai rien coupé. C'est-à-dire que vous voulez voir le live, faudra se taper les 9 heures. Voilà. Que vous appréciez ce geste, hein, c'était une sorte de gros cadeau de Noël. Comment ça il arrive? Il n'est pas déjà passé? Ah, il arrive sur YouTube. Pour ceux qui avaient raté ce live incroyable. Alors comment on peut rater un live aussi incroyable que ça? Franchement. Moi qui croyais naïvement qu'on en était débarrassé. Ah oui, on en est débarrassé, on n'en aura plus jamais. Enfin, plus jamais. On verra si avec un nouveau défi, tout ça, les gens ils sont ultra chauds pour en refaire. Bah déjà, franchement, au secours. Là on est sur quelque chose de bien. On va éviter de tout niquer. Voilà, comme par exemple ici. Bien joué. Ok, tac. Merde, il me l'a volé. Oh l'enfoiré, il m'a volé mon 16. No. J'adore me faire voler mon 16. Arrêtez de faire de la merde. Sinon. Putain, j'ai un autre 16 ici désormais. Ah, je me sens pas bien. Ok, 16.
32, 64, 64, 128, 128, 256, 256, 512, 512, 1024. Ok. Waouh, l'erreur du joueur français a enfin été rattrapée après pas beaucoup trop de temps. Ok, maintenant, faut se concentrer. On est à 1024. Hein. L'erreur n'est plus permise, là. À ce stade de la compétition, on permet plus du tout aucune erreur. Il n'y a plus. Ok. 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 On est à 1024, donc on a fait la moitié. Ouais, et c'est là où justement tu te dis « Bah ça va, on est à la moitié, ça va le faire. » Et c'est là le piège. Parce qu'en fait, il reste quand même pas mal à faire. On s'en rend pas compte, forcément. Pourquoi je l'attaque par là? Pourquoi je veux l'attaquer par là? Ok. D'accord, pourquoi pas? Si tu veux. Si tu veux. Ok. Alors, le prochain, ça va être le 128 à atteindre. Et non, il faut... Oh, putain, il manque le 512, pardon. Je pensais qu'on avait déjà fait le 512, mais pas du tout. Ok. Après, la logique, voilà, la logique, elle est là. Hein, la logique, qu'est-ce que je vous dise, ouais. La logique. Foiré. Foiré de deux. Bonjour. J'adore les deux. J'adore les deux qui font n'importe quoi. J'aime les deux qui font n'importe quoi. Mais c'est que ça faisait longtemps. Je fais de la merde. Je fais grave de la merde. Ça y est. Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est ce moment? C'est ce moment où il y a la peur de la victoire. Vous savez cette... la victoire... Enfin, après on connaît pas trop la victoire sur ce live. Compliqué la victoire. Alors fais pas de conneries. Pas de conneries, gri-gri. Ok, ok. 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 Ok, ok, ok. Oh non, j'ai fait une connerie. J'ai fait une énorme connerie. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je sais pas. Pourquoi? Pourquoi? Ok. Ok. Mais non! Pouf, c'est mort lui aussi là. J'ai le 64, il est juste à côté. On est presque à ça. On est presque à ça, hein. Putain, tant de pression pour un 2048 là, obscur. Oh! Ah, le putain de deux! Je déteste. Je veux qu'il meure dans les flammes de l'enfer. Oh, je les déteste. Je vous jure, je les hais. Ah. On n'a pas le droit au bonheur, je crois. Ah, c'est tellement niqué. C'est tellement perdu. Non, parce que après, quand on dit que c'est perdu, en général... Ouais, ça l'est pas tant que ça, quoi. Yes. Yes. Et bonjour, Tom, ça, quel plaisir. Comment ça va? Oh, merci pour le volant, ça fait plaisir. Ah, J-Pep. Ouais, on va peut-être se concentrer parce que là, on y est presque. Faut pas faire de conneries. Comprenez les conneries?
si on fait des conneries, c'est terminé. Donc on va y aller tranquillement, sans faire de bêtises. En vrai, j'aurais pu aller le mettre là-haut, mais... J'aurais dû aller le mettre là-haut. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça. Je ne sais pas, j'ai voulu m'inventer une vie. Alors que ça ne marche pas comme ça. Ok. Comment ça va? Ok. Oh putain. On fait un 64, c'est gagné. Si on arrive à faire un 64, c'est gagné. Oh putain, avec la musique en plus. Ah, ah. Moi ça va très bien, je reprends les lives après une petite pause qui aura duré un petit moment. Petite pause avec les fêtes. Ok, ok. Putain, j'ai un 64 là. J'ai un putain de 64. J'arriverai jamais à le mettre, ce putain de 64. Il est là. Il est là, mon 64. Il te manque encore un 128. Ah putain, oui, merde. Bon bah ça va alors. J'ai le droit de faire des erreurs. Non, j'étais déjà trop loin dans le futur en fait. Ah, tout va bien. Dangereux de faire ça. Bon. Bon. Pourquoi je vais le foutre? C'est dingue. Hein. Il faut que j'aille le faire vers le haut. Attends, en fait, c'est mon truc de sécure. Je peux pas. Ah, je suis. Si je perds maintenant, je pète un câble. Vous le verrez pas, et ce sera bien dommage! Putain de merde. J'y pète. Il veut pas, hein! Ok, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048. Voilà, c'est bon, let's go. Vous avez vu la fin maintenant? On va pouvoir passer au... Parce que je vous rappelle que là, on était que sur le jour 25 du calendrier de l'Avent des Orniniens. C'est-à-dire que... Bah, c'est-à-dire que j'ai mis une heure pour faire ça, quoi. J'ai mis une heure pour faire ça. Let's go. Alors que j'avais dit que ça serait gagné direct, en fait. Voilà. Bon, en tout cas, vous avez la preuve hein, que... Ah, je sais pas si Gao est... Ah bah oui, Gao a vu, j'ai... Voilà, Gao, je t'ai offert le 2048 et la victoire. Parce qu'on en avait parlé. Et c'est pour toi. C'est pour toi, Gao. Ça me fait plaisir.